Welcome to another episode of Community Awareness Series of the Jersey City Free Public Library. The event we're showing today has to do with the COVID-19 pandemic. And this film, which was made by Mina Gassi, who is also an internationally renowned musician, artist, and composer, blessed us with this film about artists from different parts of the world that are commenting on the situation in their communities and in their domain. So we're honored to have all these artists to participate in this critical film, because people are getting sick, people are dying from this COVID-19, and it's happening not just in the United States, but all parts of the world. So the artists are speaking out as they continue to create a creative background to all of this, and they're using their voices, their skill, their talent, and their creativity to tell a story as well. So we hope you enjoyed the film. It's called L'Invisible, and we'll let the film speak for itself. Thank you for being here. Hello, everybody, and have a beautiful day. I have something to tell you. I have the pleasure to let you know that the documentary I made a while ago during the lockdown for the pandemic and the artist, you know, testimonies is going to be shown at the Miller Library branch November 18th in Jersey City. The documentary is a 52-minute documentary, quite a long time, and actually I never could have imagined I would do such a thing. It's 17 artists all around the world who talk about what they've been through during the pandemic, but it's not pessimistic. It's something that just is like a picture of the situation, you see? And in France, you have to know that even today, 27% of the population does not want to go out anymore in the clubs, venues. So this is something I think is really actual. You're right there. Miller Library branch is here for you, and you will find and discover so many things about culture, events. And I really want to thank Mr. Williams, and I really want to thank also the Gamut Gallery, who did produce this show in Minneapolis, August 4th. So please go and enjoy the movie. Le 24 janvier, Agnès Buzyn était encore ministre et se voulait rassurer. Mais aujourd'hui, dans un entretien au journal Le Monde, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé, pas utile. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire. Nous n'attendons ni contre une armée, ni contre une nation. Et l'ennemi est là. Invisible, 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 invisible. Well, as you can see, this was last year. A year of lockdowns, deconfinements, reconfinements, but above all, invisibility for all the artists. So I've decided to talk about them, to talk about us, to talk about culture, and to travel around the world in order to introduce you to a bunch of artists that I love. At the middle of April, I contracted the coronavirus. I spent the next 7 weeks within these walls, which you see.
The first thing I did when I tested negative for the virus was laundry. 7 weeks of hand wash was quite enough. The second thing I did was go to the barber. Barbershops had been closed for several weeks here. They were all hurting. There was a little place around the corner. I had been growing everything out. I said, take it all off. This is what I got. The third thing I did was visit the murals and memorials around town that were put up in the wake of the protests, particularly the memorial to George Floyd on the site where he was brutally murdered by the Minneapolis police. L'année 2020, c'était au départ une belle année pour moi, avec des projets, de grosses expos, effilocher, partager les émotions. C'est ce qui m'apporte le bien-être et le bonheur. Et puis tout d'un coup, le Covid arrive. Le Covid vient tout arrêter. On a annulé toutes mes expos, repoussé toutes les expos. Et puis, je me suis sentie frustrée. J'ai ressenti des émotions. Mais les émotions imposées par d'autres personnes, par cette maladie, par tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, le confinement n'a pas été une bonne chose. Je m'appelle Romain Roussoulière, je suis guitariste, musicien-guitariste. J'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans. Au fur et à mesure, j'ai commencé à l'adolescence pas mal à traîner un peu dans des clubs de blues, de jazz, notamment un lieu qui est devenu un peu mythique à Paris qui s'appelle l'Utopia. À travers ça, j'ai fait plein de rencontres qui ont fait que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à accompagner les artistes sur scène, en tournée, principalement dans le jazz, le blues, la soul, donc toutes les influences black music américaine. Et fort de cette expérience-là, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de développer aussi un autre axe, qui est celui de la production musicale. Donc je me suis associé dans un studio, et là j'ai commencé à faire de la production, de la DA et de la réalisation pour les artistes, tout en gardant mon bagage de musicien et de guitariste. L'impact du coronavirus sur moi réside dans le ralentissement de mes activités en termes de projection, en termes de réalisation, mais aussi par rapport à la possibilité de voyager pour des dates et donc de rentabiliser mon existence artistique. Cela permet de se rendre compte aussi de la fragilité de nos métiers dans des pays comme les nôtres, où les industries créatives et culturelles ne sont pas suffisamment structurées. Et aussi, cela permet aussi par rapport à soi-même de se désillusionner en ce qui concerne la valeur qu'ont les gens ou les politiques par rapport à nos métiers, par rapport à l'utilité de ce qu'on apporte dans la société ou qu'on apporte en général à tout le monde à travers l'univers. Et c'est quelque chose qui m'a énormément troublé parce que lorsqu'il fallait sensibiliser par exemple pour que les gens fassent attention à ce qu'il faut respecter pour la Covid, on a fait appel aux artistes, moi y compris. Mais lorsqu'il fallait accompagner des secteurs pour tenir le coup, curieusement, les artistes ont été les plus oubliés.
Et donc, du coup, moi, par exemple, je me suis demandé si je n'avais pas fait des tournées récentes et que je n'avais pas de la réserve, comment j'aurais pu faire face à la réalité quotidienne et aux charges fixes qui me comblent. Et donc, c'est ça que le corona nous rappelle. Est-ce qu'on est suffisamment prêt à tout moment, malgré tout, en tant qu'artiste, à affronter nos vies? Oh, how wise to say that. It reminds me of when I've started my career. I was a self-made singer, and little by little, I met great artists, traveled a lot, and brought back with me different styles of music and some kind of exuberance. Eh bien, je m'appelle Basil Pachkov. Je suis né en 1951 de parents immigrés russes après la révolution d'octobre en 1917. Et le courant de ma vie a fait qu'aujourd'hui, je suis artiste peintre, poète, philosophe naïf. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis à l'origine de la renaissance du carnaval de Paris, qui était une grande, très grande fête qui a été oubliée et qui est maintenant une fête pas aussi grande que dans le temps, bien évidemment, mais qui est une vraie fête, c'est un libre bénévole, gratuite, autogérée, sans subvention, sans politique et très joyeuse. Elle n'a pas pu avoir lieu cette année, on comprend bien pourquoi, mais de toute façon, elle a un avenir, elle continuera. Et elle se perdurera et on prépare son avenir. Et on est très content pour le carnaval, que ce carnaval ne disparaîtra jamais. Voilà. Richardson. I'm a jazz trumpet player and singer in the UK. I've been really lucky to have a really varied career. I've played in bands like the Humphrey Littleton Band, I've toured with the Cafe Society Theatre Show, I've recorded and played with people like Ian Shaw and Mina Agossi, and I've also made four albums of my own work. My last one was in the Sunday Times Top 10 Jazz Albums of the Year. I've been working on styles such as Chet Baker and Clifford Brown. And just before lockdown, I'd written a new show about women in jazz, and I was about to do a small tour and record an album of it. I've been really lucky in lockdown because I've been able to go full-time teaching in a music university. I was working part-time there before, and so financially that's really helped. Bonjour, Faraka, auteur, compositeur, interprète en électropop world oriental, avec une petite consonance jazzy. J'ai toujours aimé garder cette passerelle entre la musique orientale, traditionnelle et le jazz. Donc j'ai fait un album entre Paris et Le Caire. J'ai joué sur plusieurs scènes en France et à l'étranger, dont au Caire pour l'Opéra du Caire et la Bibliothèque d'Alexandrie, et en France les festivals comme le Festival de Rodion, d'autres, et pas mal de scènes parisiennes. Mon dernier concert, c'était au mois de février au Chinois avec Pascal Théier dans le cadre de son nouvel album. Et donc, je vais bientôt sortir mon disque El Barak. Alors le demain, je l'imagine difficile, bien sûr, pour nous tous, pour l'ensemble, pour le monde entier, bien sûr, il va être compliqué. Le spectacle vivant, lui, il a toujours été compliqué, donc je pense que ça va être la même chose, mais qu'il va falloir
redoubler d'efforts, retisser des liens qui ont été rompus, se serrer les coudes, mais surtout continuer à rêver, à imaginer, à travailler pour imaginer l'après. Et parce que je crois que rien ne remplacera jamais le spectacle vivant. La musique en boîte et les nouveaux médias ne pourront jamais remplacer la qualité humaine qu'apporte le spectacle vivant. Et je crois qu'on repartira avec d'autant plus de désir qu'on aura été privé de ce spectacle. J'ai la chance, ou la malchance, j'en sais rien. En tout cas, il se trouve que je ne suis plus intermittent de spectacle depuis une dizaine d'années. Et ce n'est pas plus mal, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, on va demander aux intermittents de rembourser ce que l'État leur indemnise pour l'instant. C'est-à-dire que même si c'est un an d'indemnité supplémentaire ou deux ans, il y a toujours un moment où il va falloir passer à la caisse. Et j'ai peur que ça réduise le nombre de gens dans le statut à terme, ce qui ne serait pas très étonnant puisqu'ils veulent le supprimer quoi qu'il en soit. C'est quelque chose qui gêne nos gouvernants depuis un moment. Intermittent, intermittent, toi qui passais pour un feignant, maintenant ça y est, t'es bien grillé, et la note promet d'être salée. Les cachets se sont envolés, et les voisins sur le panier, les cacahuètes t'ont lancé. Je suis Anitra Ranaivo, auteure, compositeur et interprète d'origine malgache, basée sur l'île de la Réunion. Ma carrière musicale a commencé avec le groupe Lolo Shintar, né dans les années 1970, enfin plutôt fin des années 70. Nous avons sillonné à travers l'Europe durant quelques années. Et j'ai démarré ma carrière en solo en 1996. Mes compositions s'inspirent de la tradition malgache, mais aussi des influences folk, brésiliennes, également africaines. Mes thèmes de prédilection, la protection et la place de la femme, la protection de l'environnement, et aussi donc l'ambiance de la vie quotidienne, comme la plupart des artistes. J'ai donc sorti trois albums en solo, dans le dernier Lassa, et quelques compilations aussi sous le label Arc Music. Le futur, il y a une partie que je vois parce que je remets un peu ce que je connais du passé, donc les programmations vont reprendre, le collectif va rejouer, on aura beaucoup de choses à dire après cette période, on sera hyper contente de partager ça avec le public. Mais j'espère qu'il y a tout un futur que je vois pas et qui va forcément être différent compte tenu de ce qu'on a traversé. Et je crois que les artistes, on a vraiment quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'était assez incroyable de se retrouver mis comme ça à l'écart de tout, et de re-questionner qu'est-ce qui compte pour nous, comment on traverse les crises en tant que société. Comment on aide réellement ceux qui en pâtissent et pas seulement partiellement. L'avidité de certains, ceux qui n'avaient pas besoin et qui n'ont pas fait de gestes vers d'autres, il y en a beaucoup, des propriétaires qui n'ont par exemple pas offert deux mois de loyer, des choses qui se font spontanément, par exemple à Londres et qu'à Paris, sont faites de manière partielle. Comment on repense vraiment collectivement, ensemble,
ces années qui arrivent, quoi. Hello, greetings from Jersey City, New Jersey, here in the USA. We're here in a park, Van Vos Park, with a live music concert. We're glad to start having live shows, even though it's limited in what we could do due to the pandemic virus that's all around the world. And especially here in the United States. Ist Stefan Zonin und ich bin Sänger. Angefangen habe ich in lokalen Rockgruppen, wollte dann richtig singen lernen, habe dann wegen einer Vorliebe für Maria Callas und Schubert-Lieder angefangen, Operngesang zu studieren in Dresden, habe abgeschlossen mit einem Diplom, aber auch festgestellt, dass die Arbeit eines Opernsängers sich nicht gut vereinbaren lässt mit meiner ursprünglichen Motivation zu singen. Ich habe heute drei Programme, ein Jacques-Brel-Programm mit Cello und Klavier, einen italienischen Abend und ein Rockprogramm mit eigenen Liedern und Covern von David Bowie. Zweimal wurde ich von Mina Agossi eingeladen, um an ihrer Adaption von Die Schöne und das Biest mitzuwirken und das war richtig toll. Alors, pour l'instant, l'avenir, je vois ici, de Mayotte. En fait, les aléas du confinement m'ont amené ici à prendre un poste d'enseignante en art plastique pour un an. Mais j'ai découvert qu'ici, l'emblème de l'île est une fleur, l'Ilang Ilang. Et cette fleur est originaire d'Indonésie, qui est le pays de ma famille. Mais, et qui a dû arriver ici via l'immigration successive de peuples venus de l'océan Indien et d'Asie. Et du coup, je me dis que c'est peut-être un signe, ma venue ici. Et de fait, ça va devenir un travail futur. Voilà, peut-être un signe. De awe acho ene. Rien qu'affligeant, l'avènement du coronavirus est une belle leçon de vie pour moi. Ce fut un moment de grande désillusion. Et personnellement, je me vois avec plusieurs cordes à mon arc à l'avenir. C'est ce que je fais d'ailleurs en rejoignant une maison de production. Je n'abandonne pas pour autant le journalisme culturel, certainement pas. C'est une passion. Mais dans un pays comme le nôtre, où la restructuration du secteur des arts et de la culture peine à se mettre en place, je préfère aller mettre d'autres sources de revenus pour entretenir cette passion et ainsi éviter toute mauvaise surprise. Et je crois que c'est le moment ou jamais de repenser le secteur des arts et de la culture. Les artistes, les promoteurs et ingénieurs culturels, les gouvernants, en tout cas tous les acteurs de la chaîne culturelle doivent se mettre, doivent s'asseoir et mener des réflexions constructives afin de s'assurer d'une certaine autonomie financière. Thank you.
Hola, mi nombre es Carlos Prinks, soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy haciendo esta serie de videos a pedido de mi querida Mina Gozzi, de quien disfrutamos de su música en mi programa de radio y en mi radio desde hace muchos años, que la conozco. Y adoramos su voz y su talento. Desde hace unos 30 años, un poquito más, estoy en los medios radiales, en diferentes actividades, desde edición de audio, difusión, mi propio programa de radio. Desde hace 8 años, 9 años, mi propia radio. Hago edición, producción, conducción, diagramación de audio, diseño de sonido, etc. Y estamos aquí, como decía, en Buenos Aires, específicamente en la zona norte, en una localidad llamada La Lucila, en Vicente López. Je me suis dit en mars dernier, parce qu'on a eu notre premier confinement en France, qu'il était temps de parler, de faire parler mes amis, des amis de la culture, des amis qui se battent pour faire vivre leur art et vous transmettre toutes leurs énergies, d'où l'idée de ce documentaire. We need help. All of us need help. The music scene is a complicated ecology. It's the small to the big, all points in between. One element goes bankrupt, the whole thing doesn't work. Now the UK government has promised £1.5 billion. Sounds like a lot of money, but that's for all the performing arts and some other art forms too. And we don't know how that money's being spent. And in the meantime, venues are closing, theatres are closing and so on. Now, I couldn't get by if my wife didn't work and if I didn't have some royalty payments coming in. But how long is it going to be like that? And we know one thing. The live scene is not going to be replaced by webcasts and social media and stuff. That's quite clear. So we need urgent action and we're waiting. We're all waiting. C'est de continuer à chanter, à vibrer, à partager. Pour moi, la culture, c'est le monde, c'est nous, ensemble. Et même dans l'invisible, on restera toujours aussi fort et visible avec mille vibrations. Donc c'est comme ça que je vois l'avenir. On a changé de dimension. Tout s'est tué quelque temps, mais on reviendra encore plus fort. Encore plus solidaire,
avec encore plus de créativité, de partage. Parce que la musique, c'est la vie. Et la vie, c'est l'art. Because I need the money to pay the mortgage, I don't really have the time to put lots of effort into practicing, and so I feel like I'm in a bit of I'm in a catch-22 situation. I need the time to practice and play and get my craft back up to a gigging level, but I also don't have the time because I need to work. So I'm not really sure at what point that's going to change and how I'm going to make that transition back into being a musician. I also don't know if the gigs will still be there next year, if the audiences will still be there, if the venues will still be there, if they'll still want to book my kind of music. And also maybe it won't happen next year, maybe that transition is going to take longer for me. I just don't know what my future holds, and I just don't know what that means for me as a musician. Musik ist für mich persönlich definitiv das Wichtigste, das Schönste und auch mein Beruf. Zum Glück gibt es noch andere schöne Sachen im Leben. Zum Beispiel. Das hat also nicht alles gestoppt bei Corona, aber das Musikgeschäft hier in Berlin, ja, für mich gibt es keine Veranstaltungen, keine Gigs, für meine Freunde auch nicht. Ein Freund von mir musste seine USA-Tournee absagen, besonders von Corona. Ein Cousin von mir musste 4 Monate in Barcelona verbringen und konnte dann nicht raus. Tja, das ist wirklich fast alles, was man so sagen kann. Je suis Nathalie Muchamad, artiste plasticienne, née en Nouvelle-Calédonie, en 1976. Je précise 76 parce qu'en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu ce qu'on a appelé les événements, c'est-à-dire c'était la lutte du peuple kanak pour l'indépendance et pour une reconnaissance de leur peuple et de leur culture. Et ce sont des événements qui ont marqué ma vie, mon parcours de vie, et ainsi que mon travail d'artiste. Car les notions, les questions que j'aborde sont celles de la souveraineté et de l'émancipation. Et cette année, je suis assez fière de participer à la Biennale de Taipei sur une invitation de l'artiste sénégalais Ahmed Inkan. Et la Biennale, cette année, aborde les mutations politiques au regard des problématiques écologiques. J'aimerais pouvoir taire mes colères quand ma fougue me parle. Salutations à chacune et tous, moi c'est Djamil Momangao, slameur béninois et africain. Je suis également écrivain, journaliste culturel et entrepreneur culturel. Après mes études au Britannique militaire de Bemberéké, j'ai fait une formation en journalisme qui m'a permis ensuite de travailler dans les différents médiums du métier journalistique, de la presse écrite à la presse web, en passant par la radio jusqu'à la télévision. Et après, j'ai pris le temps de me consacrer à mon métier d'écrivain. J'ai sorti 2 recueils de poèmes, Corps à corps en 2014 et une saison en Afrique en 2017. Puis je prépare pour 2021 mon prochain recueil qui est un recueil de récits. Mais aussi j'ai travaillé sur la facette de slammer.
Et j'ai fait un apprentissage de 5 ans entre 2011 et 2016 pour me former, découvrir. Puis en 2016, j'ai lancé ma carrière professionnelle en la matière. Et en 2019, j'ai sorti mon premier album qui s'appelle Nainukon et qui marque mon début dans ce métier-là de l'oralité. Et j'ai eu l'opportunité de travailler également sur des projets culturels qui me permettent en tant qu'entrepreneur de défendre ma démarche protéiforme. Au nom de ceux qui n'en ont pas, j'aimerais aussi penser les romans de romans que ce n'est à tous. Comment je vois l'avenir? Différemment. Très différemment. Et quelque part, je pense que c'est une bonne chose. Disons que quelque part il y a quelque chose au fond de moi qui m'amène à faire un peu de nostalgie parce que j'ai vraiment le sentiment que les choses vont être profondément modifiées. Et en même temps, il y a une autre personne en moi qui me dit que j'étais peut-être pas suffisamment attaché au monde d'avant pour le regretter. Et j'ai l'impression qu'il y a moyen de construire de nouvelles choses, qu'il y avait tout un tas d'enjeux qui étaient déjà là et qui avaient besoin d'être mis sur la table. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, grâce à ce qui s'est passé, c'est fait. Et que tout ce qui s'est passé cristallise en fait tout un tas de problèmes et de problématiques qui de toutes les manières se seraient posées à nous à un moment ou à un autre. Et le temps qu'on a eu grâce à ce confinement pour réfléchir à tout ça, il me paraît que j'ai l'impression que ça va nous permettre de faire quelque chose vraiment de ce nouveau monde, entre guillemets, pour l'expression, qui s'offre à nous, et d'en faire quelque chose peut-être de meilleur. So, so true. The world is divided in two, as they say. Those who go through the door and those who go through the window. Those who are visible and those who are invisible. In the world of before, those who were invisible could try to get a name using internet, proposing amazing things on the web. They were becoming more and more visible. And it is true that democracy in the music business, as in the arts in general, have had a lovely place under the sun. But in the world of before, we could touch each other. We could dance together, being always so excited to perform on stage. We were so, so alive. How to link these two worlds? We will have to rethink the whole thing up. I want to give a tribute to my friends, those who helped me, those I've invited on my CDs, those who have always believed in me, in the world of before, of course. And I hope we'll meet again in the new one, maybe in different ways with other artistic experimentations in music, and it's gonna need a lot of work. But work is life. Music is life, and culture is vital. It is particularly essential. Cotonou autour d'Abbé, Libreville autour d'Abbé, Abidjan autour d'Abbé, Niamey autour d'Abbé, Luanda autour d'Abbé, Kinshasa autour d'Abbé, Dakar autour d'Abbé, Kigali autour d'Abbé. Salut, je suis Inès Felico, je suis journaliste culturelle. J'ai une licence professionnelle en journalisme et de 2016 à 2017, j'ai travaillé au quotidien d'information privée, La Nouvelle Tribune, en tant que rédactrice dans les desks culture et société. En 2018, j'ai rejoint le centre culturel Espace Chief du plasticien béninois Chief, où j'ai travaillé en tant que chargée de communication. Fin 2018 jusqu'en 2020, j'ai travaillé sur le site d'information culturelle d4.com.net en tant que rédactrice en chef. Récemment, j'ai rejoint une maison de production dénommée Weson Media où je travaille toujours en tant que rédactrice, mais surtout en tant que réalisatrice d'émissions. Allez, arrivez.
l'histoire de l'épidémie, ça a été, comme ça a été présenté, comme on l'a pris, on a été très, enfin, on a été, moi j'ai été traumatisé par ce genre d'histoire, et puis en plus qu'on est enfermé chez soi tout seul, eh bien, ça devient, c'est pas humain, quoi. Voilà, mais enfin, il faut résister, il faut arriver à faire des belles choses quand même. Et moi, là, moi je suis de la peau, ce carnaval n'a pas pu avoir lieu. Et l'année dernière, le carnaval des femmes n'a pas pu avoir lieu. Cette année, le carnaval des femmes et le carnaval de Paris n'ont pas pu avoir lieu tous les deux. Mais bon, je continue à m'occuper du carnaval pour l'avenir. Et c'est la poésie qui est un moyen pour moi de... Et les relations humaines, qui restent dures quand même, de tenir le bon bout, quoi, de garder le moral. Parce que c'est, voilà, c'est, faut pas se laisser abattre. Je m'appelle Christine Massetti, je suis violoniste et compositrice. Mon cœur de métier est le classique et le contemporain. Mais j'aime aussi voyager, faire des rencontres et jouer avec des musiciens et musiciennes d'horizons différents, comme le jazz, le tango, l'électro, la musique africaine et même le reggae à l'occasion. J'ai créé en 2006 l'ensemble intégral avec le chef d'orchestre russe Alexandre Grandet. C'est aujourd'hui une plateforme qui accueille des artistes d'horizons différents, comme la vidéo, le théâtre, le cirque même, et un quatuor à cordes qui s'appelle Telia, et dans lequel je me produis. Station channel57.com.ar, and this is how I usually earn my money, my living. Now it's more than 6 months that we cannot work here, we cannot get people, the only one inside here it's me. We cannot do our work as we usually do with the normality allowed. We cannot even travel by bus, in public bus. We are getting really in a bad situation economically here, and also the music industry here is having a real bad time. We hope this gets well soon so that we can get to work back again. I don't know, a new normality or something happens so that we are allowed to join here in the studio in normality to get our work as we usually did. Artists here are trying to do their part in presenting music, art, dance, and you know all the artistic endeavors presented. So all I can say is people in France or Germany and elsewhere, Africa, stay well, stay healthy, keep the music and the art happening. And at some point we will prevail. So all the best, peace and love from the USA. Alors moi je suis comédienne et musicienne, j'ai commencé la musique très jeune par le piano classique et j'ai très vite été vers le jazz, je suis fan de jazz, j'écoute ça depuis des années, j'ai fait du saxophone entre autres et depuis maintenant une dizaine d'années je me consacre au théâtre, j'ai fait une école en Belgique, j'ai monté ma compagnie maintenant de théâtre qui est basée à Montreuil en région parisienne. On organise un festival pluridisciplinaire une fois par an qui s'appelle La Belle et la Fête. Et en ce moment, je suis en création sur un seul en scène
dont le titre provisoire est Cabaret du 21e siècle, où je joue, j'interprète et je suis également au piano et au chant. En mars, nous avons tourné un clip à Madagascar et le 19, nous avons été rapatriés par le dernier vol en partance sur l'île de La Réunion. Ce fut une expérience assez éprouvante. Arrivés ici, nous avons donc subi la quatorzaine. Ce qui m'a le plus traumatisée par la suite, c'est d'avoir été coupée de mes enfants et du reste de la famille. Il n'y avait pas de perspective d'avenir. Quand est-ce que nous allions pouvoir reprendre l'avion pour rejoindre la métropole? On a essayé de composer, j'essaie de composer, mais j'avoue que l'enthousiasme n'était pas vraiment là. Et comme je suis enseignante également, donc j'ai continué mes cours en télétravail, ça m'a un peu occupé l'esprit. Et bien sûr, comme tout le monde, on a essayé un petit peu de faire quelques travaux à la maison. Je l'ai vécu quand même assez difficilement. Et là, ça continue. I'm Alex Webb. I'm a piano player, songwriter, arranger, and a show producer. Here's some of the albums I've made in recent years. Last year I played 112 gigs. That's how I make my living. Without playing at jazz clubs, restaurants, festivals, any other kind of venue, art centres and so on, I don't have a living. That's how I have to work. Unfortunately, in March of this year, the pandemic came along. And we're waiting. We're all waiting. There is a Je reprends le nom des Azama, Azama Filoche. Je suis née le 18 août 1973 à Kisangani, République démocratique du Congo. Je travaille les matériaux dès le bas âge, les matériaux que les tissus, je les filoche pour faire passer la lumière. C'est un travail des émotions, les émotions qui sont universelles. Et avec ces effilochés, j'ai créé des tableaux que j'expose sur le plan national et international. Je vais vous parler de mon parcours qui est atypique. Donc, j'ai obtenu le bac commercial administratif. Et après, j'ai passé un concours national dans une école de finance. J'ai obtenu le diplôme en tant que douanière. Et puis, quelques années plus tard, j'ai passé un autre concours dans une école de design à Bordeaux. Et j'ai obtenu aussi le diplôme. Добрый день, меня зовут Алексей Айги, я композитор и скрипач. Живу последние 20 лет между Францией и Россией. Работаю как делаю концерты, пишу музыку к кино, к телевидению, к театру. В общем, много-много-много всего. Рассказывать долго и бесполезно. Вот сейчас в Москве уже зима. И даже не знаю, что можно еще сказать о себе. Кроме того, что музыка говорит о человеке лучше, чем он сам может о себе сказать. В общем,
собственно, и вся история. Il y a deux choses très importantes dans une société, c'est la culture et l'éducation. Souvent, c'est souvent très très lié d'ailleurs. C'est très important. C'est le beau qui nous fait sortir, des périodes sombres. C'est toujours la lumière qui nous fait sortir, des ténèbres. Voilà. Et là, on est en train de couper le beau. This is the block where I live. The stores were closed in March when the pandemic hit. In June, they were boarded up when the protests came. Immediately, the boards were painted over Black Lives Matter, Justice for George. There's the barber shop. The art gallery is just reopening now, reopening in new and different ways. The walls are empty. We come in four at a time. We put on glasses that allow us to see the paintings. The other patrons appear as little avatars. It's as if we're shown another reality that sits on top of our everyday world. Small businesses are suffering. Art galleries, bars, coffee houses, theaters, places that make our lives worthwhile. Still, we continue to create because we have ideas and thoughts and feeling, and that's what makes us human. Je vous parle, effectivement, nous n'avons toujours pas de concert et il ne se passe rien au niveau de la culture. Et Dieu sait que la France n'est pas le seul pays qui est impacté par cette pandémie mondiale que nous subissons de manière absolument cataclysmique. Well, the silver movie is over now. It's obviously a never-ending story, I know. We can try to forecast or diagnose things. The truth is, we know nothing, or almost nothing. We have to recreate everything and everywhere on the planet. What I will remind of is the courage, abnegation of all these artists. The owners of restaurants, nightclubs, discotheques, cinemas, bars, who suffer or suffered, like in the entire world of culture. The idea that culture is not essential in a period of crisis shall never raise again in our societies. Without the art, the heart dries out. Thank you.
with politics and taxes and people trending. Axes, oh, there's no happiness. Zoom, 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 rhythm lead your age. The future doesn't threat me if I could only get me out someone to slap.